Bonjour à tous, pardon les amis, c'est Brazy, votre gamer favori. Donc on se retrouve pour la boutique du jour de Fortnite du 22 mars 2024, donc avec la Foldingue de Disco, donc avec Foldingue de Disco, donc en tenue rare. La tenue réagit à la musique, éblouissez vos adversaires, fait partie de l'ensemble Onibi étincelante saison 2 chapitre 5, donc cette saison et ce chapitre, avec sa version Lego, avec sa boule miroir qui sont accessoires de dos rares également, le Disco vous accompagne toujours. Tout ça pour 1200 V-Bucks. Le pack Miaustrisité, donc c'est le pack Miaustrisité mais en monstre, donc c'est pour ça que c'est Miaustrosité, donc voilà. Avec Miausclé Spectral qui fait son retour en tenue rare, donc un monstre qui roron dans les tréfonds d'un royaume modif. Partie ensemble Miaustrosité saison 4, chapitre 4, avec sa version Lego. Avec sa flamme féline qui est son accessoire de dos épique également. Elle brille dans la nuit. Litchi. Offendeuse, donc qui est sa pioche rare, donc une lame obscure qui ne manque pas de piquant, et pour finir, Ombre Féline qui sont répandant d'armes rares également. Donc affichez votre style, il est animé, tout ça pour 1700 V-Bucks. Hors pack, vous avez Miaouskle Spectral en tenue rare, réservation Lego avec flamme féline, accessoire de dos épique également pour 1200 V-Bucks. Litchi Offendeuse, sa pioche rare, donc pour 800 V-Bucks. Donc pack et hors pack. Ensuite, vous avez le style emblématique avec le pack. Incarnation du mystère, donc avec qui sont de retour, avec Ardeur Amskunt, donc en atypique. Abandonnez-vous au mystère, fait partie ensemble incarnation du mystère, saison 1, chapitre 5, donc avec sa version Lego. Avec la destinée Sibylline, donc en atypique également, ne laissez aucune place au mystère. Sa version Lego. Et l'ondulateur Inulatique, qui est leur accessoire de dos atypique également, tout ça pour 1800 V-Bucks. Hors pack, vous avez Ardeur Amskunt, donc en tenue atypique avec sa version Lego pour 800 V-Bucks. Destinée Sibylline, donc en tenue atypique avec sa version Lego pour 800 V-Bucks également. Le Dab, c'est la petite emote rare, donc exprimez-vous sur champ de bataille saison 1 chapitre 1, donc pour 500 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez toujours le pack Galaxy, donc avec le retour du pack Galaxy avec l'éclaireuse Galaxy en tenue légendaire. Donc découvrez la victoire parmi les étoiles, puis partir sans pack Galaxy saison 3 chapitre 2 avec sa version Lego, avec son trou de verre, accessoire de dos légendaire. Partez de l'autre côté du cosmos. Les surins étoilés, c'est sa pioche épique, transformez-les en poussière d'étoiles. Et pour finir, le Celestia, donc qui sont petits planeurs rares, donc voler avec les étoiles, tout ça pour 2800 V-Bucks. Hors pack, vous avez donc l'éclaireuse Galaxy, donc en tenue légendaire avec sa version Lego et son trou de verre, accessoire de dos légendaire pour 2000 V-Bucks. Les surins étoilés, c'est sa pioche hippique pour 1200 V-Bucks. Le Celestia, son petit planeur rare, donc pour 800 V-Bucks également. Voilà. Ensuite, vous avez une petite emote pardon, série icône, grande classe. Donc, montrez à tout le monde que vous avez le temps, que votre temps est précieux. Ces chapitres pour 500 V-Bucks. Le pack Ruby Opal qui fait son retour. Donc, avec Ruby, ses 4 customs en tenue rare. Donc, la deuxième custom, la troisième custom. Et pour finir, la quatrième custom. Donc, avec Ruby, donc, qui fait son retour. Donc à votre tour de briller, fait partie ensemble le 6 rié saison X premier chapitre avec sa version Lego, donc en tenue rare, avec son alerte rouge, accessoire de dos rare également et ses 3 customs. Voilà, deuxième et pour finir la troisième. Voilà. Avec Opal en tenue atypique, qui fait son retour également avec sa version Lego. La fendeuse striée, c'est leur pioche atypique. La strie céleste, c'est leur petit planeur atypique également. Et onde pastel, c'est leur vêtement d'armes atypique. Tout ça pour 2000 V-Bucks. Hors pack, donc, vous avez Ruby en tenue rare avec ses 4 customs avec sa version Lego. Et son alerte rouge accessoire de dos rare avec ses 3 customs pour 1200 V-Bucks. Opal, donc en tenue atypique avec sa version Lego pour 800 V-Bucks. La fendeuse striée, c'est leur pioche atypique pour 500 V-Bucks. La strie céleste, c'est le planeur atypique également pour 500 V-Bucks. Voilà, pack et hors pack. Ensuite, vous aviez les pionniers, donc avec Ava qui fait son retour en tenue hippique. Donc, utilisez les modes prêts à jouer pour vous transformer. Le style TAR et l'accessoire de dos cœur de TAR se couvrent d'effets informatiques à chaque élimination. Donc, ils sont réactifs. Donc, avec prêts à jouer, c'est les modes intégrés les hippiques. Donc, voilà, c'est ce qui permet de passer de Ava à TAR. Ensuite, vous avez la version Lego et le cœur de TAR, c'est l'accessoire de dos hippique, donc qui est réactif. Donc, tout ça pour 1500 V-Bucks. La surfeuse qui fait son retour, donc en tenue rare, surveiller la baie, partir ensemble aux troupes saison 1 chapitre 2, avec sa version Lego, avec sa trousse océanique et son accessoire de dos rare, éviter de trop la mouiller, tout ça pour 1200 V-Bucks. L'institution qui fait son retour, donc avec ses 5 customs en tenue rare, donc voilà, le retour de l'institution, les gars, ça rappelle beaucoup de souvenirs. Hein. Donc la troisième custom, la quatrième et pour finir la cinquième custom, donc
Donc, en tenue rare, donc son honneur vous guidera vers la victoire. Elle est l'une des sept, fait partie de l'ensemble des sept, saison 2, chapitre 3. Donc, avec sa version Lego, avec ses ailes de l'institution, accessoires de dos rares également, vous m'attraperez jamais, je suis trop débrouillarde et rusée. Donc, voilà, donc c'est le retour de l'institution, donc un des sept, donc tout ça pour 1200 rebucks. Donc, l'histoire de l'institution, vous vous souvenez, c'était le chapitre 2, hein, justement. Ensuite, vous avez le retour du Triceratops 1 obscur avec ses deux customs, tenue série sombre, donc il fait partie de l'ensemble style reptile saison 1 chapitre 2, donc le dernier survivant est celui qui aura plongé tous les autres dans les ténèbres, donc avec sa version Lego, avec son nouveau-né obscur qui est son accessoire de dos également donc en série sombre, donc voilà, hein. Les ténèbres trouvent toujours un chemin, tout ça pour 1200 rebucks. La mâchouilleuse, c'est sa pioche hippique pour 1200 rebucks. Le pterodactyle, c'est son petit planeur hippique pour 1200 rebucks également, donc elle est en série sombre. Ensuite, vous avez toujours le pack Der Burger, donc pour le Lego Fortnite, toujours donc avec le comptoir de fast-food Der Burger, le franchise Der Burger, le restaurant phare Der Burger, les décorations restaurant Der Burger, la décoration cuisine Der Burger, les décorations patio Der Burger et pour finir, décoration extérieure de Der Burger, tout ça. Donc, 3 constructions, 41 décorations, tout ça pour 2000 rebucks. Ensuite, vous avez toujours Boss Burger, donc il fait partie de cet ensemble en hippique avec sa version Lego et son sachet de frites accessoires de dos hippique pour 1500 rebucks. Le QG de Der Burger, donc c'est un kit encore un kit Lego, donc enfin le kit de QG de Der Burger avec 3 constructions et 32 décorations, donc toujours pour le Fortnite, Lego Fortnite, pardon. Donc avec le comptoir de fast-food Der Burger, le restaurant phare Der Burger, la franchise Der Burger, la décoration patio Der Burger, la décoration restaurant Der Burger et pour finir, la décoration de cuisine Der Burger, tout ça pour 1800 rebucks. Hors pack, donc vous avez la petite décoration extérieure, donc 9 décorations pour 600 rebucks, la décoration extérieure Der Burger. Voilà. Ensuite, vous avez le boulevard balnéaire, donc le pack boulevard balnéaire, donc avec toujours pour le Lego Fortnite, donc avec 7 constructions et 42 et 44 décorations, donc avec pavillon de plage, boutique de natation, maison de plage, tour de maître nageur, maison marine, maisonnette de plage, le refuge. Et ensuite, vous avez décoration promenade de plage, les décorations à chalets littoraux, décoration cabanon de plage. Et pour finir, décoration coin cousy, tout ça pour 1900 VVAC. Alors, pas que vous avez le kit promenade de plage, donc pour 1500 VVAC, avec 5 constructions, 15 décorations, avec le tour de maître nageur, le pavillon de plage, la maison marine, la maison de plage, la boutique de natation, avec les décorations promenades de plage et les décorations à chalut euro, tout ça pour 1500 rebucks donc. Ensuite, vous avez le cabanon de plage, le petit kit, donc de construction, 29 décorations, donc avec maisonnette de plage et le refuge avec décoration cabanon de plage et décoration coin cousy pour 1200 rebucks. Voilà. Ensuite, vous avez toujours le pack Lady Gaga, donc toujours avec Lady Gaga Chromatica, donc avec Gaga Chromatica Tennis Series Icône avec sa version Lego, avec sa puce exaltante, c'est sa Nimote, la basse Chromatica, c'est sa petite basse, le micro Chromatica, c'est son micro, la puce musicale Stupid Love de Lady Gaga de 2020, tout ça pour 3000 V-Bucks. Hors pack, vous avez donc Gaga Chromatica avec sa version Lego pour 1500 V-Bucks. La basse Chromatica, c'est sa basse pour 1000 V-Bucks. Le micro Chromatica, son petit micro pour 1000 V-Bucks. La plus exaltante, c'est sa petite Emote pour 500 V-Bucks. Et la piste musicale Stupid Love, donc à 500 V-Bucks également. Voilà, hein. Les musiques à télécharger ne sont pas évaluées par Peggy. Voilà, tout simplement. Ensuite, vous avez les pistes musicales, donc avec du nouveau, avec du Hysteria, du Call Me Baby. Du So What, donc que j'en sais les meilleurs. Ensuite, vous avez du Lady Gaga, bien évidemment, du What's Poppin, du Closer, de The Weeknd, et Barbie Girl, donc je ne sais pas. Après, je pense que ça, c'est. Voilà. Après, il y a un peu de tout mélangé, donc vous avez tous les pistes musicaux pour 500 V-Bucks l'une, donc que vous pouvez prendre, vous les retrouvez déjà dans le Fortnite Festival, mais si vous voulez les avoir sur vous, si elles vous plaisent vraiment, vous prenez la piste musicale à 500 V-Bucks et vous l'aurez automatiquement dans votre casier, vous l'aurez tout le temps, donc voilà tout simplement. Et après, pour les jouer dans le Fortnite Festival. Ensuite, vous avez toujours la fête des lanternes avec le tenue Cyber PK, donc avec Cyber PK, tenue série icône, avec le style réactif renforcé, les émulations accumulent aura démoniaque autour de Cyber PK. L'accessoire de dos malédiction de l'Onit est également réactif, donc là, voilà ces 4 customs. Donc, la tenue série icône, donc la deuxième, la troisième, et pour finir, la quatrième custom, donc. Voilà, il est en série icône avec sa version Lego, avec sa malédiction de nuit, accessoire de dos, donc également réactif, tout ça pour 1800 V-Bucks. Le cimetière de Cypher, c'est sa pioche pour 800 V-Bucks. Et le Shugogi, c'est son petit planeur pour 1200 V-Bucks. Voilà. Ensuite, il y a toujours le pack Lune Radieuse, donc toujours avec un noir en tenue rare avec sa version Lego.
Noura avec sa tenue rare en version, et sa version Lego, lame de croissant, donc accessoire de dos, et lanterne lunaire, le deuxième accessoire de dos, tout ça pour 1800 e-bucks. En pack, vous avez donc Noura en tenue rare avec sa version Lego et sa lanterne lunaire qui sont accessoires de dos rares pour 1200 e-bucks. Un noir donc en tenue rare avec sa version Lego et la lame du croissant, c'est un accessoire de dos rare pour 1200 e-bucks. Voilà. Ensuite, vous avez fait, toujours fait vomir les moteurs avec le pack Dominus GT, donc avec le pack Dominus GT, le châssis atypique, avec ses stickers typiques, flammes, protector, bandes, rayons de soleil, techno et L, le tout pour 1500 e-bucks, donc. Ensuite, vous avez les roues mixeurs, donc je vous rappelle que si vous voulez acheter ici, donc acheter cet objet rendra également disponible dans Rocket Racing, dans Rocket League, pardon. Donc pour utiliser dans le Rocket Racing et dans Battle Royale, tout ça pour 700 e-bucks. Les roues Santa Fe, ce sont les roues rares pour 700 e-bucks, également pareil. Le Turbo Ioniq également pareil, donc vous l'avez dans les trois modes de jeu, tout ça pour 250 e-bucks. Ensuite, vous avez toujours le pack Lamborghini Hurricane STO, donc avec le châssis Lamborghini Hurricane STO, la Lamborghini Hurricane avec ses pneus et ses deux versions, les stickers STO, le premier sticker STO, donc le premier celui d'origine, plus la version 2, donc tout ça pour 3500 e-bucks. Ensuite, vous avez fait du rock avec Fender, donc toujours avec la Fender Stratocaster, donc qui est la guitare atypique pour 800 e-bucks, le tap du pied, sa petite limote atypique pour 200 e-bucks, la basse de Fender Précision, donc sa petite basse pour 800 e-bucks, et les coups de pied sautés, notre limote atypique pour 200 e-bucks. Ensuite, il y a toujours possibilité de souscrire, d'acheter, pardon, 25 niveaux du pass de combat si vous voulez avancer plus vite, mais ça vous coûtera quand même 1850 V-Bucks, donc c'est vous qui voyez. Ensuite, vous avez toujours le pack Pass Festival, donc. Emparez-vous de la scène principale et récompensez les 4 festivals pour devenir des points festivals pendant la saison 2. Déverrouillez les éléments suivants. Réveillez, recevez immédiatement l'aura hack musical. Accédez à la voix bonus. Rendez-vous au Fortnite Festival pour accéder au pass. Révéler votre talent. Progressez dans votre pass pour obtenir davantage de récompenses, dont la guitare Grad Chromatica, la piste musicale Ride With Me, l'écran de chargement, la collection Gaga, la piste musicale Black Olsen, l'aura Aurore Boreal, la piste musicale Break Me, le Kétard, donc Chromatica, qui est le petit clavier, donc la piste musicale Poker Face, l'accessoire de dos signal sinusoïde, l'emote Kinza Spuck, la tenue Gaga Inmatic. Donc, si vous avez gagné les points festival avant d'acheter la voix bonus, vous recevez automatiquement les récompenses obtenues jusqu'à ce point. Les récompenses de la voix bonus pourraient être de nouveau proposées, pourraient être proposées à l'avenir dans la boutique d'objets. Donc, tout ça pour 1800 V-Bucks, vous obtenez tout ça. Donc, elle est déjà dans la boutique d'objets, en fait, tout simplement. Hein. Ensuite, vous êtes sur le pack d'unités dorées pour 17,25€, toujours donc avec Ambrorik en tenue hippique avec sa version Lego. Les ailes à pointe creuse, c'est son accessoire de dos hippique. La coupeuse immaculée, c'est sa pioche rare. Ensuite, vous avez Calamité flingueuse en tenue hippique avec sa version Lego, avec son Diablo 20 biscornu, accessoire de dos hippique. La hache flingueuse, c'est sa pioche rare. L'Oriatan en tenue hippique avec sa version Lego, avec son coffre sous-marin, accessoire de dos épique, et la trancheuse à harpon qui est sa pioche rare, donc tout ça pour 17,25€. Ensuite, vous avez toujours le pack Winderman 2.0, donc avec un accès permanent à la campagne sur les mondes. Vous gagnez 1500 V-Bucks en accomplissant la quête quotidienne dans sur les mondes. Terminez la défense du bouclier des invasions de 3 pour déverrouiller les quêtes et entamer ce pack de défis, donc qui comprend la tenue Dr. Vanderbot en tenue hippique avec sa version Lego, avec son Blue Heat qui est son accessoire de dos rare et la fiole à frapper qui est sa pioche rare, dans tout ça pour 18,49€. Donc vous accédez à la campagne Sauver le Monde. Sinon, vous avez toujours possibilité de souscrire au club Fortnite pour 12€ par mois. Depuis le mois de décembre 2022, vous avez l'ensemble de fidélité au club, donc des objets cosmiques exclusifs au club dont une nouvelle étape est livrée chaque mois tant que votre abonnement au club de Fortnite est actif. Vous recevez le Rocket Pass Premium, donc grâce à votre abonnement au club, accédez au Rocket Pass Premium de Rocket League sur les appareils compatibles. Plus d'infos sur fn.gg/Rocket League. Si vous avez un pass de combat, il vous prend 150 V-Bucks. Vous recevez 1000 V-Bucks chaque mois à date de facturation du club. Et ce mois-ci en cadeau, c'est toujours 4, donc en tenue hippique avec sa version, avec sa version Lego, oui. Son Roron Robot, accessoire de dos hippique. Et la casseuse de 4 qui est sa pioche rare, donc tout ça pour 12 euros. Par mois, les amis, si vous souscrivez dès aujourd'hui au Club Fortnite, voilà, nous avons entendu cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'oubliez pas de la liker, la commenter et la partager. Très important pour le soutien, les amis. C'est grâce à vous que la chaîne existe, je vous le rappelle. Donc, n'hésitez pas à manifester vos soutiens. Donc, le petit pouce bleu, le petit commentaire, ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Je ne mords personne, je ne mange personne. Donc, vous pouvez même me voir en live aussi de temps en temps quand je vais être sur les lives. N'hésitez pas à venir. Franchement, ça me ferait énormément plaisir, les gars. Ça me ferait vraiment grave kiffer. Et puis, franchement, voilà, les frérots, hein, n'hésitez pas, hein, franchement. Venir pour le petit soutien, ça fait vraiment du bien, donc n'hésitez pas à commenter vraiment parce que vous avez la vidéo quotidienne de la boutique du jour. Après, de temps en temps, je sors des vidéos des top 1, donc n'hésitez pas à venir dessus et à cliquer, à partager avec moi, enfin à venir partager en fait votre expérience, votre ressenti. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires
Et voilà, ça fait vraiment plaisir, donc n'hésitez pas à le faire. Donc, et si toi tu regardes mes vidéos et que tu n'es pas encore abonné, c'est tout simple, tu cliques en bas à droite, c'est totalement gratuit. Tu cliques sur s'abonner, franchement, et tu n'oublies pas d'activer la cloche de notification, frérot, franchement, ça ne mange pas de pain, c'est totalement gratuit. Donc si tu le fais, franchement, c'est que la chaîne te plaît vraiment. Donc n'hésite pas à nous suivre et enfin, à être présent, toi, juste présent. Moi, je vous maintiens en parenthèse, hein, c'est qu'on a tous une vie, les amis, mais... Enfin, les frérots, donc n'hésitez pas, juste à mettre quand même le petit pouce bleu, le commentaire, ça fait énormément plaisir, voilà. Et ensuite, pour le soutien, tu le connais par cœur, c'est le code qui a enflammé l'été 2023, qui réchauffe l'hiver 2023-2024. C'était le code de l'année 2023, maintenant c'est le code de 2024, frérot, c'est le code brasier, en majuscule, en minuscule, on s'en fout, ça marche quand même, vous mettez le fouillis, mais ça m'aide énormément. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et portez-vous bien les frères, les gars, et à plus tard, bye bye.